Yo tout le monde, c'est Eridil, on se retrouve pour le succès. Avez-vous étudié la biologie marine? Donc pour ce faire, vous allez lancer la mission Exode au point de rendez-vous Charlie. Quelle que soit la difficulté, vous pouvez le faire seul. Et on va avancer jusqu'à ce que le Falcon vous largue à la fin de la mission. À ce moment-là, on va aller chercher un petit véhicule pour aller plus vite. Il va falloir en fait réaliser un trick qui n'est pas excessivement connu, qui vous permet de sortir de la carte. Alors, donc vous gardez votre jetpack et vous allez passer dans l'eau, vous allez longer la bordure de la map pour éviter d'aggro des ennemis quelconques. Donc là on va passer l'espèce de petite butte et on va arriver à proximité d'une apparition. Là on va longer la berge pour se diriger au niveau des troncs d'arbres qu'on voit en blanc. Et alors là, on va aller monter sur celui qui est le plus élevé, là, au centre. Et ce qu'il va falloir faire, c'est sauter, et quand vous êtes en haut du saut, activer le jetpack, de manière à vous élever suffisamment pour atteindre cette butte. À ce moment-là, on va attendre que jetpack se recharge pour pouvoir le réutiliser plus longtemps. Et on va longer, tout simplement, le muret jusqu'à pouvoir se laisser tomber dans l'eau. À peu près là où je suis, on ne meurt pas. Si on se laisse tomber plus tôt, on meurt. On va de nouveau attendre que le jetpack revienne, on fait un petit jump. On va se diriger sur les rochers, attention à ne pas tomber dans le vide. Et là, il va falloir suivre le chemin que je vais prendre. Donc là, normalement, vous pouvez vous balader sur une grande surface hors map. Hein. Mais je prends à peu près le chemin le plus court pour se diriger à l'endroit qui va nous intéresser. Et on se retrouve au moment où ça redevient intéressant. Voilà, alors là on va ralentir un petit peu puisqu'on va s'approcher de l'endroit où ça a bougé un petit peu. Donc en fait il va falloir monter le long de l'espèce de falaise là. Donc on va se diriger là où je vais, on n'est pas obligé de le faire exactement ici mais ça marche bien. Faire un premier saut de jetpack, on va attendre qu'il revienne, on va en faire un deuxième. Et là normalement vous pouvez arriver en haut sans encombre. Là on va se diriger vers ce gros rocher qui est proche du muret, attention il est relativement glissant. Petit saut jetpack, deuxième petit saut jetpack, et enfin un troisième qui va vous permettre de monter là-haut. Et donc normalement en avançant et en allant à peu près là où je vais, vous devriez débloquer le succès. Et on observe qu'il n'y a quasiment pas de Marines, sachant que je suis quasiment certain qu'il y en avait sur 360, puisque c'est ça qui me faisait penser à ce trick. Quoi qu'il en soit, on débloque bien le succès, donc c'est peut-être un problème de la version TMCCPC. Quoi qu'il en soit, moi je vous dis à une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, et bien sûr, vive à l'eau !